Madame, Monsieur, bonsoir. Les 9 et 15 septembre 2019, deux grandes figures de l'histoire politique du Tchad se sont éteintes. Il s'agit du général Djimé Mamadou Gakina et Lol Mahamat Choua, décédés en France et à N'Djamena. Ces deux personnalités ont marqué, comme vous le savez, l'histoire politique du Tchad en occupant respectivement le poste de vice-président du Conseil supérieur militaire, dirigé à l'époque par le feu général Maalouf Gakoutou Beïdi, et Lol Mahamat Choua qui a occupé le poste de président du gouvernement d'Union nationale de transition. Alors, pour parler ce soir de ces deux personnalités, carte sur table reçoit d'abord le général Kouara Lassou. Nous avons ici sur ce plateau le docteur Arnaud Dingamadji, qui est un historien. Le docteur Mama Saleh Akoub, historien également. Et M. Kibassim Bagrim Martin, qui est donc un ancien ministre et qui connaît donc parfaitement ces deux personnalités qui ne sont plus de ce monde. Alors, madame, monsieur, chers invités, donc bonsoir. 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 Voilà, donc pour parler ce soir donc, de ces deux personnalités, carte sur table donc nous fait revivre d'abord l'hommage national qui a été rendu à ces deux personnalités à la place de la nation. D'abord, nous commençons par Lol Mahamat Choua. La nation rend ses hommages à l'un de ses dignes et valeureux fils qu'il a servi avec loyauté, Lol Mahamat Choua, ancien président de la République et président fondateur du RDP. À la place de la nation, la mobilisation à ses obsèques dénote de la reconnaissance de tous les Tchadiens sans exception à ce grand homme qui a marqué l'histoire du microcosme politique du Tchad. Reconnaissons les valeurs de cet émérite fils du Tchad, l'homme qui l'a précédé à la tête de l'État, le président de la République Idriss Déby Itno, visiblement attristé, est en première ligne pour rendre un hommage dû au rang de l'illustre disparu, Lol Mahamat Choua. Tout commence par l'arrivée de la dépouille mortelle, un instant empreint d'affliction et de méditation. S'en est suivi le dépôt des gerbes de fleurs par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Fini cette phase, le président de la République décore feu Lol Mahamat Choua à titre posthume. Au nom de la République du Tchad, je vous élève au grand de grande dignité du Tchad de Grand Croix, à l'ordre national du Tchad, à titre posthume. Pour le service rendu à la nation tchadienne. Suivant ce programme de funérailles, l'office du regretté a présenté le mot de remerciement de la famille. Nous portons le deuil, mais ce deuil n'est pas le nôtre, il est aussi le vôtre. Ce deuil est national. En témoignage, d'ailleurs, votre présence massive, laquelle peut s'expliquer par la fonction suprême que le décédé avait occupée. Au nom de mes frères et au nom de toute la famille, remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir honoré notre papa en organisant cette grandiose cérémonie funèbre pour son soutien constant, multiforme, qu'il n'a cessé d'apporter à notre feu père depuis sa maladie jusqu'à la date de son décès, et ceci depuis toujours. Le président du RDP a pour sa part donné des témoignages tout en exprimant sa gratitude au chef de l'État
et à tous pour l'appui multiforme. C'est avec une très grande émotion et une profonde tristesse que je prends ce jour la parole au nom du RDP pour rendre un vibrant hommage posthume à une grande figure de l'histoire politique de notre pays et qui fut aussi notre père fondateur, fondateur du parti RDP. Avec le président Lord Mamadchoua, qui vient de s'éteindre après une longue maladie, c'est un baobab qui vient de s'écrouler. Nous pouvons, nous, ses compagnons de lutte, témoigner que le fondateur du RDP était mu par de nobles idéaux de paix, d'unité et de justice. C'était un homme de courage politique, un homme de dialogue et de consensus, attaché profondément à la démocratie et à la diversité tchadienne. Au nom de la représentation nationale, le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a présenté les oraisons funèbres. Feu le député Lord Mamadchoua a toujours été un homme qui a su mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de ses propres intérêts. Dans ses actes comme dans ses paroles, il a toujours prôné la réconciliation et le consensus pour faire prévaloir l'intérêt général. À l'Assemblée nationale, lorsque les débats s'enlisaient autour des questions épineuses, la plénière avait toujours recours à ses sages conseils et il avait toujours des mots et des idées qui unissaient les différents intervenants. Je tiens à présenter toutes mes condoléances à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour la perte de ce grand homme d'État qui a profondément contribué par ses actions au développement de notre pays. Je voudrais également, au nom de tous les députés, du personnel parlementaire et à mon nom propre, présenter mes condoléances à sa famille politique, à sa famille biologique, aux amis et connaissances, à son épouse, à ses enfants et au peuple tchadien. Toujours à la place de la nation, le président de la République et les autres fidèles sont conviés à une autre étape funéraire. Une prière aux morts a été dite sous la conduite de l'imam de la grande mosquée de N'Djamena, Cheikh Ahmed An-Nour Mohamed Al-Helou. Après cette prière, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir été dans le gouvernement en 1979 qui était présidé par notre cher disparu, le président Lord Mamadchoua. J'étais secrétaire général adjoint du gouvernement, tout jeune à l'époque, et avec comme secrétaire général titulaire le défunt Aboubakar Zaïd, et j'en profite pour lui rendre hommage aussi. Cette expérience, elle résume le personnage parce que, comme on l'a répété dans l'oraison funèbre, c'était juste après la guerre civile et le Tchad était divisé en groupes politico-militaires qu'on appelait les tendances à l'époque. Et peut-être les jeunes ne le savent pas, mais dans le gouvernement présidé par le dauphin Lord Mamadchoua, il y avait M. Goukouni Wade qui était ministre de l'Intérieur, M. Hissène Habré qui était ministre de la Défense, le général de Gaulle qui était vice-président et tant d'autres. C'est pour vous dire la difficulté de l'occasion et c'est pour vous dire l'image et l'opinion que les gens avaient de lui pour penser qu'une telle combinaison, il était le seul à pouvoir la diriger dans un contexte aussi difficile. Et donc c'est un homme de consensus, un homme de paix. Et je dirais plus important que tout cela, c'était un grand monsieur. Il a beaucoup fait aussi comme président du Parlement provisoire, le CST. Et dans d'autres fonctions qu'il a occupées, il a œuvré vraiment pour le développement du Tchad, pour la réconciliation nationale, pour le consensus politique. Moi, j'étais le ministre de l'OL pendant qu'il était président. J'étais le ministre de l'enseignement supérieur. Et ce que je garde de l'OL, c'est l'esprit du consensus.
mais en même temps l'amour du Tchad, parce que il y avait 12 tendances, il y a eu la bagarre, la, il y a eu 12 février, tout ça, mais il a voulu toujours garder du Tchad l'image d'un Tchad souverain, mais souverain dans son espace de 1 284 000 km². Et quand il parlait du Tchad. Et souvent il dit que quand vous parlez du Tchad, n'oubliez pas que le Tchad, c'est un pays de diversité. Mais également dans cette diversité, c'est un pays de consensus. C'est-à-dire le Tchadien, par nature, il a cette tendance de discuter pour trouver des solutions. Quelques minutes après avoir assisté à l'obsèque de l'ex-président du Tchad, Loul Mama Choua, le président de la République, Idriss Déby Itno, arrive à Lamadi pour assister à l'enterrement. Membre du gouvernement, sa famille nucléaire et politique, tous rangés pour lui rendre le dernier hommage. Sous la cadence des pas des élèves officiers de la 28e promotion du groupement des écoles militaires interarmées, le corps du défunt est mis en terre. Tous unis pour implorer Allah afin qu'il lui accorde sa clémence et l'accepte dans son paradis. Voilà, chers invités, vous venez donc de suivre l'hommage rendu à cette personnalité qui est Loul Mama Choua, ancien président du gouvernement d'Union nationale de transition. Donc l'hommage que la nation lui a rendu. Alors après donc ce témoignage, que pouvez-vous nous dire de feu Loul Mama Choua? Qui était-il? Comment a-t-il vécu son enfance? Vous qui êtes, peut-être que les historiens peuvent nous situer. Loul Mama Choua était né à Mao, juste au moment du début de la Deuxième Guerre mondiale, et il faisait partie des rares élèves qui ont fréquenté l'école en ce moment-là. C'est d'ailleurs une chose qui va lui servir par la suite, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est une des zones où le pourcentage d'alphabétisés est des plus bas dans notre pays. Donc c'est pour vous dire qu'ils étaient l'un des rares à aller à l'école. Puis par la suite, il a fait le secondaire et surtout il est allé à Paris pour faire des études dans le domaine administratif, à deux reprises d'ailleurs. Et quand il va rentrer, il va travailler d'abord dans la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est là qu'il va travailler, et les événements du Tchad vont le trouver dans ce contexte-là, ce que on appelle à l'époque la période des tendances, de la multiplicité des mouvements politico-militaires. Il y avait donc eu le 12 février 1979 les conférences de Kano et de Lagos. Je retiens la dernière conférence, les deux dernières conférences, celle de Kano qui a échoué par rapport à un certain nombre de facteurs, et certains groupes n'ont pas accepté ce que les pays organisateurs proposaient comme étant une solution pour le pays. Oui, nous allons revenir dans cet aspect de la chose, mais vous avez parlé de Loul qui est parti en étude deux fois en France. Vous pouvez nous situer un peu quand, et puis c'était pour faire... Il a étudié à Paris, à l'école d'administration publique, et il est revenu, et c'est là qu'il a commencé sa carrière. Public, donc administrateur, puis après politicien. Voilà, c'est ça. Oui, peut-être que... Oui, un complément. Un complément avec le terrain. Oui, c'est ça. D'abord, je veux marquer un peu, dire combien je suis heureux de participer à ce plateau, parce que pour moi, c'est un honneur de parler de Loul Mama Choua, d'autant que de son vivant, il m'a fait l'honneur de partager avec moi
un peu sa documentation, de me raconter un peu les circonstances de son arrivée à la tête de l'État. Et cela m'a permis de produire un ouvrage que le docteur Massale Yacoub m'a fait l'honneur de préfacer. Il s'intitule aussi « Les ruines du Tchad, leur maman Choua, 120 jours à la tête d'un État néant ». C'était un livre paru aux éditions Sao, ici en Djamena, en 2009. Ça fait maintenant 10 ans que ce livre a paru. Et donc, dans ce livre, il y a un petit passage qui présente un peu le parcours de leur maman Choua avant son accession à la présidence de la République. Et on y découvre qu'il est né effectivement en 1939 à Mao. Et il a grandi un peu à Mao avant d'aller commencer sa scolarité à Moussoro. Parce qu'à l'époque, l'école française était créée à Mao, mais après ça a été transféré à Moussoro. Et donc c'était à Moussoro qu'il avait fait ses premiers pas à l'école. Et c'est aussi l'occasion d'appuyer ce que le docteur Yacoub vient de le dire. C'était au cours des années 40 et à l'époque dans le Tchad sahélien, dans le Tchad musulman, rien un peu ce qu'on appelait le refus de l'école. Les populations islamisées pensaient que l'école française était de nature à corrompre la valeur des jeunes gens et donc n'était pas cette population n'était pas encline à envoyer les enfants à l'école. Voilà, donc c'était les enfants des chefs ou des familles riantes qui étaient envoyés à l'école. Et là, Maman Choua faisait partie de ces familles-là et c'est ainsi qu'il a été avec un groupe de jeunes gens de la famille de la chefferie ou de la du sultanat voilà, du Kanem a été envoyé donc en formation à Mao et après Mao il est revenu à Fort Lamy ici où il était inscrit au collège classique. C'était à l'époque là où est l'école du centre actuellement. Oui. À l'époque c'était un collège, ils appelaient cycle court et long, collège classique de cycle court et long. Mmh. Voilà, donc il avait fréquenté là. C'était en quelle année précisément? C'était au cours des années 1950 maintenant. D'accord. Voilà, et en 1959 il avait fini son cursus au collège et avait embrassé un peu la carrière dans l'administration de la ville de Fort Lamy avant d'entrer à la CNPS ou à la Caisse nationale donc de prévention sociale au début de l'indépendance, je pense en 1964. Mmh. Il y a travaillé jusqu'à son accession à la tête de l'État, mais il a observé une période de stage en 1971, je crois, à l'Institut international d'administration publique de Paris, l'IAP, voilà, avant de revenir continuer sa vie professionnelle à la CNPS. Et à la CNPS, il a travaillé à Fort-à-Chambol, à Moundou, avant de revenir ici à Fort Lamy, qui est devenu plus tard N'Djamena, pour travailler. Par contre, son deuxième séjour en France, c'était quand il avait déjà quitté la présidence de la République. Oui. Voilà, là, il est reparti. Avec la guerre qui déchirait le pays, oui. C'est pas exilé, mais il était allé volontairement s'inscrire pour une formation en relations internationales en France. Oui. Donc il est sorti diplômé avant de revenir au pays pour se mettre encore au service du pays en tant que ministre sous Hussein Habré. Mm-hmm. Pendant un temps et puis ainsi de suite. Bien, nous allons peut-être avoir le point de vue de Monsieur Guara Lassou qui est général. Voilà, mon général. Merci. Je ne peux pas parler de l'enfance de Lol, mais j'ai eu à le côtoyer à trois reprises. La première fois, c'est à la formation du gouvernement d'Union nationale de transition, le mois d'avril 1979. J'étais son ministre de la fonction publique. Nous avons travaillé pendant, je crois, 6 mois ensemble. Et quand on a constaté que le Tchad subissait une sorte d'asphyxie, parce que tous les pays étaient montés contre le gouvernement de l'ONU. Mmh. Et l'ONU a dit, mais écoutez, nous ne pouvons pas être à la base de l'agonie de notre pays. Il faut qu'on accepte d'aller à la conférence de réconciliation où qu'elle puisse se dérouler. C'est comme ça que il a été décidé qu'on envoie une délégation du gouvernement à Lagos. Et là, on a dit ceci. En salle, même si un oiseau
tombe du toit en disant que je représente une tendance, acceptez-le, pourvu que la paix revienne au Tchad. Mais n'acceptez jamais que quelqu'un qui vient de Tripoli soit désigné à la tête de ce gouvernement. Voilà comment il a été accepté que le Gunt, le nouveau Gunt, le deuxième, je crois, naisse. Le premier était né. Le premier, c'est le lui qui dirigeait, voilà. Avec comme vice-président le général Djogo. Oui. Bon, la deuxième rencontre que j'ai eue avec l'OL, c'est au gouvernement de Hissène Habré. Vous étiez à l'époque quoi? J'étais ministre de l'enseignement supérieur et il était ministre de transport. Et ce qui m'a marqué au cours de cette période, et j'ai retenu cela, c'est qu'un jour, au cours du conseil des ministres, oui, un sujet peut-être passionnant était à l'ordre du jour. Lequel, si ce n'est plus... Je ne me souviens plus du sujet. Hein, mais ouais. C'était un sujet assez... Délicat assez, ah, délicat, mais intéressant. Oui. Alors, après l'intervention de deux ou trois ministres, Hissène Habré intervient. En disant quoi, précisément? Mais il a fait une intervention, je ne veux pas retenir. Il a, l'essentiel de la question, oui, c'est qu'après son intervention, l'on a pris la parole et a dit ceci. Monsieur le Président, vous dirigez mal le Conseil des ministres. Alors il y a eu un silence de mort dans la salle. Et après, Hissène Habré a pris la parole. Elle a dit, le grand frère Lol a raison. Je croyais qu'en tant que membre du Conseil, je pouvais aussi donner mon point de vue. Mais comme il a dit, parce que l'on l'a précisé, qu'en tant que président du Conseil, vous ne devez pas intervenir quand d'autres ministres ont encore quelque chose à dire. Vous devez intervenir au dernier moment. Oui. Pour ne pas influencer le propos des autres ministres. Oui. Alors, Hissène Habré a dit oui. Moi, je pensais qu'en tant que membre du Conseil, je pouvais aussi intervenir. Mais comme a dit le grand frère Lol, j'en prends note. Et Hissène Habré a gardé cette attitude jusqu'à son départ. Quand un sujet est inscrit à l'ordre du jour, il n'intervenait jamais dans les débats. C'est au dernier moment qu'il intervient pour faire la synthèse des débats. Dire, bon, l'orientation est celle-ci, mais moi, mon opinion est celle-là, mais je souscris à la parole. Oui. Donc ça m'a marqué, ça m'a, je ne peux pas oublier ça. La troisième rencontre, c'est au CST, après la Conférence nationale souveraine. Conseil supérieur de la transition. Nous avons entendu le témoignage. L'OL est un homme de consensus. Il n'a jamais pris de position tranchée. Il cherchait toujours à rapprocher les différents points de vue. Il faut dire que les membres du CST étaient un peu turbulents. Mais l'OL a toujours su tirer la bride pour éviter que ça déborde. Même quand on voulait interpeller un ministre ou le gouvernement, il tamponnait toujours pour que les choses se calment. Voilà les trois rencontres que j'ai eues avec Dol. Bon, depuis qu'on s'est séparé du CST, je n'ai pas eu la chance de le côtoyer. Oui, point de vue de M. Kibassim Bagrim Martin. Merci. Vous avez connu certainement M. Lol Mamad Choua. Oui, Lol, avant de devenir président, oui, il avait une vie, il avait travaillé avant 1979. Il y a des aspects que les gens ignorent ou ne connaissent pas beaucoup. Lesquels, par exemple? Lol, c'était un administrateur civil. Le docteur l'a évoqué tout à l'heure. Il est sorti de l'IAP, Institut international de Paris. Et le docteur a dit qu'il a eu deux séjours. C'est vrai, après son passage à la tête de l'État, il s'est retiré à Paris, où il a étudié. Oui. Mais son premier séjour, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait deux séjours. Nous faisions partie de ce qu'on appelait le corbeau averti. C'était nous. Corbeau averti, hein? Oui, en 73. Le président Garta nous avait accusés d'être de mèche avec les gens comme Foucault qui faisaient le coup d'État en Afrique. D'Opélé à l'époque. Oui. Et D'Opélé, si vous avez entendu parler. D'Opélé. C'était nous.
Donc, vous étiez assez nombreux à l'époque. Il a supprimé la bourse aux étudiants, tous les étudiants de Paris et de Bruxelles. Oui. C'était les deux points névralgiques à l'époque. Fingard a surveillé. Donc nous sommes revenus au Tchad. Là, l'homme était déjà l'IAP. Il est revenu parce que le président nous a fait revenir. C'est la première fois qu'il est revenu. Après, il fallait repartir pour finaliser, enfin terminer les cours. C'était à quelle année? 73. 73, oui. Ouais. Nous sommes repartis et les étudiants de l'IAP, on les a ramenés au Tchad, ils ont passé l'examen de sortie à l'ENAM ici. Donc, vous avez parlé de ces deux séjours, il y avait déjà ça, avant de partir, après son passage à la tête de l'État. Bon, LOL, je peux prétendre être de ceux qui l'ont le plus côtoyé. Je vous dis que LOL avait une vie avant d'être président. Moi, quand j'ai fini mes études... En quelle année, par exemple? 75. Oui. J'ai soutenu ma thèse de doctorat le 2 juin 75. Oui. Je suis rentré au Tchad le 7 août 75. Et de Brazzaville, c'est ça? Non. De Paris. De Paris, oui. Brazzaville, ça, c'est quand j'étais petit. On arrivera peut-être. Ok. Donc, on m'a nommé directeur de la CNPS. Caisse nationale de prévention sociale. Où était LOL? Oui. Parce qu'il y avait une grève qui a demandé le départ de l'ancien directeur. Qui était qui? Il est déjà mort, Bako Michel. Bako, oui. Évidemment, sur le plan humain, paix à son âme, Bako ne valait pas vraiment cette feuille de papier. Il n'avait pas de contact avec le personnel. C'est tout le temps le problème, des grèves. Et c'est des gens comme les LOL là qui faisaient la conciliation. Moi, quand je suis arrivé, mon dossier d'intégration circulait et arrivé au niveau de la fonction publique, là, le ministre qui était le général Doumbro à l'époque, oui, il a vu que, parce que parallèlement à la sociologie, je faisais économie et j'ai fini par faire un stage à la caisse de coopération qui est devenue AFD. Donc on a vu ça. Le général Doumbro a dit, ce jeune homme-là, si on l'envoie à la CNPS, il est sociologue, il est économiste, peut-être qu'il se fera mieux comprendre des agents pour remplacer celui-là qui n'a pas de rapport avec ses collaborateurs. Et c'est comme ça que mon dossier a été envoyé à la CNPS. Entre-temps, j'étais déjà intégré au ministère du Plan. Parce que j'étais envoyé faire sociologie pour revenir au ministère du Plan. Au départ, c'était ça. Oui. Donc, j'arrive à la CNPS, LOL était là. Donc, on s'est côtoyé avec LOL. LOL, c'est un grand frère. Quand il y a des moments de peu de turbulence, parce que LOL n'aime pas l'injustice. Ah. Et il te le dit en face. Moi, directeur, quand LOL avait à me dire, il me le disait. Il me le disait. Que ce soit dans la cour ou bien dans votre bureau. Non, non, il vient au bureau le dire. Ah. Jusqu'en 78, à ce qu'on effectue une mission ensemble. Octobre 78, il y avait une conférence internationale sur la sécurité sociale au Caire. Oui. Le dossier de travail était sur mon bureau. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, grand frère, cette fois-ci, c'est toi qui vas préparer cette mission. On va aller ensemble au Caire. Il a pris le document. Il a préparé la mission. Nous sommes partis d'N'Djamena le 10 octobre 78 par Sudan Airways sur le Caire. Nous sommes arrivés à l'aéroport du Caire, c'est un grand aéroport. Et lui, on l'a pris pour un Soudanais. Les Soudanais à l'époque ne faisaient pas de formalité à l'aéroport du Caire. Donc, on lui a facilité la tâche en le détachant. Il ne devait pas faire de formalité, donc on suivait les Soudanais, quoi. Oui. Il a suivi les gens. Moi, j'ai fait les formalités, mais c'est un grand aéroport, vous voyez, alors là, on met du temps. J'arrive presque au bout, l'homme va faire des problèmes aux gens. Je vous dis, il n'aime pas l'injustice, quand il a été dit, il le dit. Il dit, moi, je suis venu avec le directeur, pourquoi vous m'avez séparé?
On est ensemble. Alors les Égyptiens ont dit, vous êtes de quelle nationalité? Je suis tchadien. Allez. Revenez. À la on l'a envoyé faire la queue. Moi, je suis sorti. J'ai attendu presque une heure de temps. Quand il est arrivé, j'ai dit, il fallait te taire. Ils t'ont facilité la tâche. Il dit, bon, ben, on ne sait jamais dans ces pays-là. Donc, une femme envoyée par le ministère du Travail d'Égypte est venue nous chercher à l'aéroport. Elle nous amène au ministère du Travail pour nous remettre les documents de travail. On attendait l'ascenseur. Il y avait un monsieur, il parle un peu français. Sa première réaction, c'était de savoir si nous étions, si au Tchad, il y a des musulmans. Alors, Lol n'a pas pardonné ça. Lol dit, mais vous êtes du ministère du Travail. Je crois savoir que vous êtes au courant de quelle conférence il s'agit. Nous ne sommes pas venus à une conférence islamique, monsieur. Dit le monsieur là, il est chrétien. Moi, je suis musulman. Est-ce que ça vous va? Ça, c'est Lol qui dit ça. Qui dit ça, il a dit. Non, il dit la vérité. Lol, il te dit. Et le monsieur est rentré dans ses petits souliers, tout petit. Même durant la conférence, je le voyais, mais il n'osait pas. Donc voilà, Lol, c'est un monsieur. Vous parlez de consensus. Moi, j'ai dit, c'est un homme de conciliation. Quand il y a des problèmes au niveau du bureau, c'est Lol qui arrange avec les petits agents. Et Lol, là où il va me marquer davantage, c'est Lol qui m'a aidé à sortir le texte créant la caisse de retraite. Jusqu'en 1977, le Tchad ne disposait pas de caisse de retraite pour les travailleurs du secteur privé. J'ai participé à un colloque des directeurs de caisse au Togo et on nous a cité, normalement, le bureau du travail dit que le Tchad était le seul pays à ne pas assurer ses vieux travailleurs contre le risque de vieillesse. De ma chambre d'hôtel, le soir, j'ai appelé le général Vougou qui était ministre. J'ai dit, mon général, cette histoire de caisse de retraite des travailleurs, nous sommes tombés dedans et il faudrait qu'on fasse quelque chose. J'ai dit, à ton retour, prépare. Moi, un texte. C'est Lol. C'est avec Lol qu'on a préparé parce que je ne voulais pas que les inspecteurs du travail soient au courant. S'ils étaient au courant, ils allaient en parler aux employeurs, là, les blancs. Et le projet allait tomber dans l'eau. Donc, Lol m'a aidé, on a travaillé cette soirée-là, nous avons créé la caisse de retraite des travailleurs qui a permis aujourd'hui aux Tchadiens d'avoir leur retraite quand ils arrivent à un âge, à un certain âge. Mais sinon avant, vous allez jusqu'à 55 ans, on vous remercie, vous partez. Il n'y avait pas de retraite pour le secteur privé. Donc j'ai créé cette caisse-là en 77 avec l'appui de Lol. Bon, je reviendrai sur Lol après, s'il vous plaît. Bien, par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure, docteur Arnaud, vous qui avez écrit un livre sur Feu Lol Mahatchoua, vous l'avez côtoyé, est-ce que vous avez eu ce sentiment de quelqu'un qui effectivement n'aime pas l'injustice, quelqu'un de paix, ainsi de suite? Exactement. C'est... D'abord, quelle était votre première impression lorsque vous l'avez rencontré? Il respire le calme. Moi, je l'ai côtoyé dans un premier temps en 2006 lors d'un colloque que le Centre Al-Mouna avait organisé autour du thème de la guerre civile de 1979-80. Le Centre Al-Mouna avait distribué, avait invité plusieurs personnalités à ce colloque-là. Mais il fut l'un des rares, avec le général Ouara Bassou ici présent, à participer pleinement à cette conférence hein, de bout en bout. Et donc, c'est là où je l'ai côtoyé dans les échanges, dans les sous-commissions, tout ça. Nous avons travaillé ensemble avec lui dans la commission. J'étais rapporteur de la commission politique générale. Voilà. Et puis, à la fin, nous avons réalisé des photos. Et c'est là où j'ai vraiment découvert le côté humain du personnage. Parce que il était d'un abord très facile pour tout le monde. Et nous qui étions... très jeune à l'époque, bon, nous nous délections de sa proximité. Nous étions vraiment à l'aise avec lui et nous curieux, on lui posait mille et une questions. Et c'est à partir de là qu'est née l'idée d'écrire ce livre-là. Oui. Donc, j'ai pris rendez-vous avec lui et puis par la suite, il m'a reçu à maintes reprises à domicile. Oui. Voilà. Et même à domicile, il me recevait comme si j'étais quelqu'un de supérieur à lui. En vous disant quoi, par exemple? Bon,
Il s'est levé pour m'accueillir, ouais. Et puis me ramener au salon, ouais. Et puis voilà, veuillez vous asseoir, tout ça. Il s'est plié un peu voilà, à mon service. Alors que c'est moi, je voulais me faire petit devant lui, mais c'est plutôt lui qui se faisait petit devant moi. Donc c'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Voilà, et j'étais allé chez lui à deux ou trois reprises pour ce travail-là, pour collecter des informations. Mmh. Il me disait ce qu'il avait à me dire comme témoignage, et puis les documents à me communiquer. Il me dit, bon, laisse-moi un peu de temps, je vais fouiller dans mes archives, et c'est ce qu'il a fait. Donc, des photos personnelles, des documents de l'époque. Parce que j'avoue que quand j'ai commencé à faire des travaux de recherche sur l'histoire politique du Tchad, oui. Je me suis rendu compte qu'il y a un hiatus, un trou, en quelque sorte, concernant la période où il a exercé comme chef de l'État. On ne connaissait pas vraiment les détails de cette période-là. Il y avait voilà, un peu de flou autour de ça. Donc je me suis dit, comme l'intéressé est vivant, mieux vaut lui poser des questions, mieux vaut le côtoyer pour qu'il apporte des éclaircissements, et c'est ce qui a été fait. Et je pense que ce livre-ci apporte une clarté, n'est-ce pas, sur cette période-là. Alors, dans les propos du docteur Arnaud Ngamadji, général Guaral Assou, il évoquait la conférence que vous avez tenue avec LOL au centre El Mouna. Alors, c'était un moment assez... Oui, j'étais là, au centre El Mouna, avec M. Mohamed Saleh. Ah, docteur Mohamed Saleh, oui. Mais faut dire que j'étais très prudent. En propos, je ne pouvais pas dire ce que j'avais à dire, parce qu'en ce moment-là, j'étais chef d'état-major général des armées. Ah, des armées, oui. Alors, le problème, c'était un peu autour de la guerre entre le Sénat et l'armée. Oui. Il suffisait que je dise quelque chose qui n'allait pas dans le sens des militants du Front. Ils vont dire, mais Guara, tu nous as critiqué. Donc, ou si je disais quelque chose qui n'était pas... C'était un dilemme, en fait, pour lui. Conforme à ce que l'armée faisait, les gars, voilà, tu trahis l'armée. Donc, j'étais un peu... Face à ce dilemme-là, oui. Très réservé. D'accord. Mais j'ai quand même... Il a contribué, oui. Il a contribué, et effectivement, M. Lol était là, comme d'habitude, très réservé. L'homme ne prend pas la parole pour dire n'importe quoi. Il parle rarement, mais quand il prend la parole, c'est pour dire quelque chose de juste. Mmh. C'est ça. Alors, ce jour-là, quel était le sentiment que vous habitez lorsque vous étiez à ses côtés? Ben, moi, il a beaucoup de sympathie pour moi. C'est que j'ai été son ministre. Et dans ces vérités, comme vous le dites, est-ce qu'il ne vous a pas mis en difficulté en tant que chef d'état-major? Non. Mais il a quand même dit des vérités. Je ne cherche jamais à mettre quelqu'un en difficulté. Jamais. Maintenant, avec vous, docteur Mohamed Saleh Yacoub, vous étiez aussi à cette conférence animée par Lol Mohamed Choua, le colloque. Vous savez, vous avez participé. Je voudrais faire une petite parenthèse. Oui, allez-y. Après la conférence nationale, seul le centre Al-Mouna pouvait réunir LOL, Abdoulaye Lamana, Guara, le colonel Dimé et d'autres. On a fait quelques conférences qui ont vraiment marqué. Et j'étais le principal animateur de ces conférences-là. De ces conférences, les colloques. De leur colloque, leur organisation, etc., etc. Vraiment, c'était formidable. Les gens avaient fini la conférence nationale au centre Al-Mouna. Parce que là, on est allé dans les détails. C'était une choses. Et les discussions étaient plus sincères, si vous voulez. Et donc, les gens se sentaient libres pour dire ce qu'ils pouvaient dire sans grandes conséquences. C'est pour vous dire que, effectivement, lors de l'une de ces conférences, M. Lol avait participé et a donné son point de vue. De manière un peu réservée, mais il était là pour trancher un certain nombre de choses. Et quand lui, il tranchait, je crois que ça s'impose un peu par rapport aux autres, et les débats avancent. Et moi, je voudrais plutôt revenir un peu dans le cours des choses pour voir comment Lol est devenu président de la République.
Parce que là, il faut situer les choses dans leur contexte. Oui, nous, on voudrait bien aborder cela, mais puisque vous avez la parole, allez-y en tant qu'historien, oui. Dans quel contexte, donc, a-t-il accédé au pouvoir? Voilà. Donc, nous avions la guerre civile qui a commencé le 12 février 1979. Il y a eu des cessez-le-feu, les conférences organisées par un certain nombre de pays, le Nigeria par ici, la Libye, le Soudan, etc. Et il y a eu une des conférences qui n'a pas réussi, celle de Kano, qui semblait mettre aux prises ce qu'on appelle les pro-libyens et les autres. C'est-à-dire qu'on a, au départ, quand la guerre civile a éclaté, il y avait très peu de tendances, et par la suite, les tendances politico-militaires se sont multipliées, et sous l'instigation surtout de l'ICN Abré. Il y en avait 12. Les 11 tendances de l'époque commandée. Et donc, il y en a qui ont quitté la conférence dans des conditions vraiment rocambolesques pour revenir à N'Djamena et refaire ce qu'on appelle la conférence de N'Djamena et décider de faire un gouvernement d'union en dehors de ceux qui étaient considérés comme manipulés par la Libye ou le Nigeria. Oui. Et donc, les quatre principales tendances de N'Djamena étaient donc les femmes de Goukouni, les femmes de Hissène Abré, les FAT de l'ancienne armée nationale, oui. et les MPLT. Évidemment, il y a un grand antagonisme. Les principaux acteurs, enfin les gens les plus puissants. Goukouni ne veut pas que ce soit Hissène Abré qui devienne le président. Hissène Abré ne veut pas. Et on avait d'avance pensé qu'il faut réserver le poste de vice-président à un représentant des FAT. Et donc au départ c'était Kamougué, mais par la suite il est parti au sud, mais pas revenu. Et on a pris Diogo à sa place. Et les deux plus puissants se sont neutralisés et on a décidé de donner la présidence au MPLT, qui est celui qui semble le plus faible de quatre tendances-là, oui. Et au sein de la délégation du MPLT, il y avait Loul, qui semble être l'intellectuel de ce groupe. C'est dans ce sens qu'il a été proposé. D'abord, le président du MPLT s'est proposé, mais... C'était qui à l'époque, le président du MPLT? Idriss Adam Mustapha. Adam Mustapha. Oui. Et c'est le représentant de FAP, en l'occurrence, Brahim Younous. Brahim Younous. Youssouf. Oui. On ne peut pas mettre un analphabète à la tête de l'État tchadien. Et c'est Idriss qui a dit, bon, dans ce cas, prenez mon collègue, Loul, qui était effectivement pas très connu dans les microcosmes politico-militaires de l'époque. Et c'est comme ça qu'il a été accepté comme président du GUNT 1. Le gouvernement d'union nationale de transition. Le premier, voilà, c'est présidé par lui. Et certains ministres ont été cités tout à l'heure, dont Ouara, Diogo était le vice-président. Alors qu'au départ, c'était Kamougué, comme je disais tout à l'heure. Entre-temps, évidemment, les velléités de la création de ce qu'on appelle le comité permanent au sud du pays. Oui. Vous savez que... C'était en gesticulation. Voilà. Oui. C'est-à-dire, après donc le début de la guerre civile, certains habitants du sud du pays se sont repliés sur tout certains cadres, et on a voulu créer le comité permanent là-bas. Donc, on a estimé que c'est une volonté de sécession, etc. Et donc, c'est là que donc Loul est devenu chef d'État. Mais il n'avait pas réellement le pouvoir entre ses mains. Parce qu'il n'est pas il ne peut pas dicter sa voix au FAP, au FAT, ou un peu imposé en otage. Voilà. Et donc, parce que dès quand ils l'ont nommé, chacun avait, des deux avait une arrière-pensée. Et Goukouni et Hissène Abré, chacun pense, bon, on va le mettre
et on va le contrôler. Oui. Et en réalité, on va l'enlever plus tard pour récupérer le pouvoir. C'est dès qu'on a reporté à plus tard son renversement. Son renversement. Et c'est ce qui allait se produire d'ailleurs à la suite. Et il y a eu un certain nombre de difficultés aussi. Oui. Parce que, effectivement, cette affaire de Kamougué qui a quitté pour aller créer le comité permanent a inquiété beaucoup, plus d'un. Et donc, le gouvernement de Lol a envoyé... une délégation? Pas une délégation, des troupes pour combattre, cet état en gestation. Mais ils ont eu une défaite très cuisante dans le Maïkébi. Oui. Ça, c'était vraiment la principale difficulté. Et puis la deuxième difficulté, c'est que il y a eu aussi les femmes qui ont voulu mater le mouvement de Lol Mahamat Choua. MPLT, oui. MPLT. Il y avait une bataille assez rude, s'est retrouvé vraiment sans, sans troupes et vraiment. En plus, comme le disait le général tout à l'heure, ce gouvernement n'a pas été reconnu par les principaux pays qui soutenaient, qui organisaient les conférences. Le Nigeria a organisé un blocus, notamment nous recevions tout notre carburant du Nigeria. Oui. La Libye préparait les autres tendances, celles par la suite deviendront le CDR et d'autres, etc., etc. Et donc, c'est un gouvernement qui a été même refusé. On lui a refusé le siège du Tchad dans plusieurs réunions internationales. Une réunion qui a eu lieu à Kigali. Le siège du Tchad n'a pas été pourvu par le gouvernement de Lol, etc., etc. Et d'autres. Et même une réunion de l'Organisation de l'Unité africaine. Là aussi, le siège du Tchad n'a pas été occupé par le gouvernement qui est siégé à N'Djamena. Bref, ça a été vraiment assez difficile pour pouvoir, et même pour Lol lui-même, pour vraiment maîtriser les choses. Malgré ses qualités d'homme de consensus, de dialogue, etc., mais vraiment, les principaux chefs des grandes vraiment ne voulaient pas que ce soit ainsi. Peut-être un complément avec Arnaud Dikamadi, avant de revenir au général Guara qui était aussi membre du gouvernement, peut-être qu'il va nous aider en matière de difficultés. Oui, exactement. Docteur, oui. Exactement. Il y a des éléments, docteur Yacoub a dit l'essentiel, mais il y a quelques précisions importantes pour faciliter la compréhension. Parlant du contexte, c'est d'abord un contexte de guerre, comme il l'a dit, donc le pays a éclaté sous le contrôle des tendances. Voilà, mais c'est aussi un contexte de vacances du pouvoir, parce que quand la guerre a éclaté, il y a eu donc la conférence de Kano. Kano 1 en mars, oui. En mars 1979, et au cours de cette conférence, donc le président Malem et le premier ministre Issène Habré ont donné leur démission, et donc il y avait une vacance du pouvoir à la tête de l'État. Oui. Et cette vacance-là avait ouvert ou plutôt ravivé les appétits des pays voisins, notamment la Libye, le Soudan et le Nigeria, qui voulaient avoir une emprise sur le Tchad, qui voulaient placer leur pion, si je puis dire, à la tête du Tchad. Et donc, une deuxième conférence a été organisée au début du mois d'avril 1979. Kano 2, voilà, pour désigner, n'est-ce pas, le chef de l'État du Tchad. Oui. Mais à cette conférence-là, il y avait eu une entente qui s'est créée entre le Nigeria et la Libye pour imposer au Tchad un chef d'État qui ne faisait pas consensus, en fait. C'était Mamad Abba. Oui. Mamad Abba qui était un des fondateurs, du Frelimo, un des géniteurs du Frelimo, qui est devenu. La première armée, c'était ça? Exactement, la première armée. Voilà, la première armée. Donc, le Frelimo de base, quoi, si je puis dire. Oui. Et ce choix n'a pas requis l'agrément de Issène Habré et de Gouni Wédé parce qu'il considérait comme un diktat extérieur. Parce qu'il considérait que ce sont les Tchadiens eux-mêmes qui devaient s'entendre pour désigner le chef de l'État et non des pays étrangers qui doivent imposer leur candidat. Il craignait que celui-ci, une fois au pouvoir, puisse obéir seulement aux ordres de ceux qui l'ont placé au pouvoir. Donc ils ont boycotté la conférence, ils sont revenus dans des conditions presque rocambolesques, comme l'a dit le docteur Yacoub. Et arrivés ici, ils se disent, bon, mais nous, on va promouvoir une solution interne. C'est-à-dire que nous allons signer un accord, c'est l'accord du 17 avril 1979 qu'on appelle l'accord de N'Djamena entre les quatre parties, c'était tout à l'heure là. Oui. Et
Kamugi dit, bon, moi, je vais consulter ma base au sud avant de revenir pour voilà, l'application de l'accord. Et quand il est allé, il a été retenu au sud par les cadres en disant, non, 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 ne repart pas. Il laisse les gens-là diriger ce gouvernement et puis on s'organise ici. Donc, il ne pouvait pas revenir ici. Et donc, Diogo, qui était là, qui représentait les FAT ici, et puis Ramadan Barma et Majadum Kolingar aussi, je pense, étaient allés donc à la réunion. En tant que représentant des FAT maintenant. Oui. Voilà, parce que chaque délégation était composée de 2-3 personnes. C'est force, les forces armées tchadiennes, c'est-à-dire l'ancienne armée nationale qui, à partir de 1919, est considérée comme une détendance. Oui. Voilà, qui était considérée comme une détendance. Donc, était allée, et puis, voilà, le choix, comme l'a dit le docteur Yacoub, s'est porté donc finalement sur l'Al-Mama Choua. Donc, sa désignation, c'est un peu la réponse des Tchadiens. C'est le refus du dictat extérieur pour dire que nous, voilà, nous, on choisit, on privilégie une solution interne. Deuxièmement, ça signifie aussi, ça déjà signifie, n'est-ce pas, le consensus qu'il a dit ici, parce que le Mama Choua, c'est pas un seigneur de guerre, c'est pas un militaire, c'est un civil, et on pense que il pourra faire le consensus entre les parties en conflit, mais chacun nourrissait en secret l'idée que bon, je vais le gommer et puis voilà, je vais m'installer à sa place et ainsi de suite. Et finalement, malgré toutes les difficultés qu'il a connues, parce qu'effectivement il y avait eu des difficultés à l'intérieur du pays, parce que son gouvernement n'avait pas le contrôle de tout le territoire. Le sud était sous le contrôle du comité permanent, le reste du pays était partagé entre plusieurs tendances, donc il ne contrôlait pratiquement qu'une partie de N'Djamena. Voilà, et sa fraction MPLT a été démantelée à partir de juin 1979 par les FAP, voilà, qui les ont carrément taillés en pièces. Donc il était fragilisé étant chef de l'État. Il n'avait pas une armée, parce que pour restaurer l'autorité de l'État, un chef d'État devait s'appuyer sur les forces de défense et de sécurité, mais il n'en avait pas. Et à l'extérieur également, c'est important de le compléter, il y avait un blocus économique décrété par le Nigeria. À l'époque, il n'y avait pas d'essence, une pénurie d'essence ici à N'Djamena à cause de ce blocus économique-là. Et ce blocus était relayé un peu par le Cameroun, parce que tous ces pays-là se sont entendus avec l'OIA, avec la France et autres pour dire, mais non, la France plutôt soutenait le gouvernement, mais les autres pays disent, mais non, c'est un gouvernement qui n'est pas le fruit du consensus général des tendances, donc on ne peut pas le reconnaître. Soutenir, oui. Voilà, c'est pourquoi il y a donc le blocus économique et puis un isolement, une mise en quarantaine diplomatique aussi, comme l'a souligné docteur Yacoub. Voilà, donc vous voyez, à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, le gouvernement là était vraiment en difficulté, et c'est ce qui l'a amené à donner sa démission le 29 août 1979 à la suite de la conférence de Lagos, II, voilà, qui a donné naissance au gouvernement, au deuxième Gunt en fait. Voilà. Dirigé par Gougouni. Par Gougouni Wédé, voilà, c'est ça. Voilà, donc après ces éclairages de nos deux historiens ici, peut-être que sur les difficultés, bien entendu, que LOL a vécu en tant que président du gouvernement d'Union nationale de transition, Général Guarana, sous vous qui avez été un de ces membres du gouvernement, à l'interne, comment avez-vous vécu ces difficultés, ou bien comment vous avez trouvé LOL subir ces difficultés-là? Il faut reconnaître que LOL, même s'il n'a pas été militaire, c'était un homme très courageux. Comment? C'était un homme très courageux. Oui. Je me rappelle la bataille qui a entraîné la disparition du MPLT. Oui. Il occupait la présidence. L'actuelle présidence? Oui, la présidence actuelle, mais ce n'était pas le même bâtiment. C'était bâtiment, oui, tout à fait. Un petit bâtiment, oui. Qui était où logeait ton mère, oui, avant d'aller à la cité. Oui. Bon, là, les gens de FAP ont envahi la présidence. Ils savaient que LOL était à l'étage. Ils ont tiré au bazooka en direction de l'étage. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils voulaient le tuer. Oui. Mais après, il a apparu au balcon et les combattants, ah, le président est là. Il leur a dit, mais écoutez, vous savez bien que j'étais là. C'est moi que vous cherchez, mais je suis là. Si vous voulez me tuer, tuez-moi maintenant. Elle est descendue, je l'ai trouvé. Après, je crois que
Boukouni et Sanabré étaient gênés. Et ils ont tout fait pour que pour calmer les choses et puis pour qu'ils soient maintenus. Parce que l'OL, dans cette situation, ne voulait plus continuer. Mais les deux ont dit non, ils continuent. Et ceux qui ont tiré, c'était les faux, les troupes de FAP, forcément populaires de Boukouni et des OK. Alors, on tenait les conseils de ministres à la présidence, mais après, on pouvait plus se réunir là-bas. Ensuite, on se réunissait au ministère des Affaires étrangères, jusqu'à ce qu'on décide que le gouvernement soit représenté à Lagos. Et on a dit, bon, quel que soit le nombre de gens qui vont se présenter, disant qu'ils représentent des tendances acceptées, pourvu que la paix revienne dans le pays. C'est cet aspect-là que je pouvais suivre. L'aspect courage de l'homme, ce n'était pas intruable. Hein. Ce n'était pas militaire, il n'était pas intruable. Monsieur Kibassem Bagrim, peut-être. Bon, ben. Ce qu'a dit Arnaud, complété par le général Guara, c'est exact. Je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ça. Mais je peux compléter par un petit complément dans la désignation de LOL comme président. Oui. Nous étions encore dans Jamena. Les gens sont partis. Moi, j'étais à la base aérienne quand LOL devait passer président. Pour éviter, n'est-ce pas, que l'extérieur puisse imposer son nom. C'est les Kolingars qui étaient à la manœuvre, hein, parce qu'on s'est retrouvés, ils nous ont expliqué comment ça s'est passé. Donc c'est les Kolingars qui avaient manœuvré pour dire LOL, c'est le moindre mal. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il n'y avait pas d'intellectuels dans le groupe. Quand vous voyez les gens, c'était des combattants purs et durs. Et là, donc on a dit, il nous fallait quelqu'un pour combler le vide. LOL est le moindre mal. Ça, c'est le raisonnement des Kolingars. Je crois que Yodéman était dans le groupe, quelque chose comme ça, pour désigner LOL. Vous avez parlé de même, mais je pense que ça se passait au mois d'avril. Enfin, avril. D'avril 79. Ça, c'est ce que je voulais ajouter. Mais M. Guara, lorsqu'il était en exercice, comment a été sa manière de diriger? Mais on était dans une situation de guerre comme ça. On n'avait pas trop de sujets à débattre en conseil de ministre. Hein. On jouait à la survie du Tchad. On voulait préserver les noms du Tchad, tout simplement. Ça a duré 6 mois. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont encore en mémoire la déclaration de l'ordre à la CNPS qui demandait au gouvernement de payer l'argent qu'il a retiré dans le compte de Malou pour payer les fonctionnaires. Il a pris l'argent dans le compte du général Malou à la BTCD pour payer les fonctionnaires qui travaillaient à Yamen. À l'époque, c'était combien de fonctionnaires? Vous avez une idée? Vous savez, le Tchad était en miettes, hein? Mais il y avait le minimum quand même de fonctionnaires. Il y avait la santé, il y avait l'éducation, je me rappelle. Le bac même était organisé. Le président Lol a dit, il ne faut pas que ce soit un bac uniquement pour Ndiamena. Il faut que ça se déroule sur l'ensemble du territoire. Il voulait même envoyer une délégation à Moundou pour organiser ce bac-là. Comme je n'étais pas assez, mais je crois que ça n'a pas marché. Félix Maratchoua est né donc le 15 juin 1935 à Mao. Il a dirigé le gouvernement d'Union nationale de transition du 29 avril 1979 au 3 septembre 1979, soit presque 4 mois et quelques jours, c'est ça. Mais on dit toujours de lui qu'il prenait le dialogue, qu'il avait consacré toute sa vie à l'État, à la culture de la paix, un homme de consensus national, et il rejetait toute forme de violence et même d'extrémisme. Vous qui étiez à ses côtés en tant que directeur, en tant que collègue de travail? Non, l'extrémisme, non. Mais j'ai dit, LOL était un bon syndicaliste. Et ça, c'est ce côté qu'on ne lui reconnaît pas. Je vous ai parlé d'un jeu
de la grève qui sévissait à la CNPS et cette grève qui a permis mon arrivée comme directeur. Lol était là, bon, il a dirigé un peu cette grève-là en sous-main. Et ça, il est très fort dans ce genre. Et à l'époque, c'était quel syndicat qui existait? Oui, il n'y a pas de syndicat? Non, c'était le Dombal, maître Dombal, il était quel syndicat? Dombal, Dimangué, Feu, le Défunt. Oui, le Défunt. Oui. Mais non, mais il n'était pas vraiment militant d'un syndicat. Mais dans son comportement, puisque c'est monsieur qui luttait contre l'injustice, le refus d'augmentation des salaires d'un employé, ça peut mettre l'OL déjà en boule. Et c'est l'OL qui peut prendre la décision de venir voir le directeur pour lui dire, il a tant d'années, vous avez augmenté tout le monde sauf celui-là. C'est pas bon. Ça, l'OL, il faisait ce travail-là. Il y a un petit, il s'appelle Mour, c'est parce qu'il a pris sa retraite. Quand je suis arrivé, moi j'ai dit, on ne recrute plus comme avant. Tout va se passer sur la base de tests. On a organisé un test. Je l'ai laissé corriger lui-même ce test-là. LOL. LOL. Oui. Et c'est ce Mour-là qui était... Et à l'époque, il y avait combien de candidats et combien de... Je ne me souviens plus. Vraiment, je venais d'arriver. Oui. Mais ce que je voulais, c'est qu'il fallait qu'il y ait un test. Le test a eu lieu. Combien de candidats, je ne sais pas. Mais quel niveau, il fallait demander. La plupart étaient des gars qui sortaient du centre de perfectionnement, de formation et de perfectionnement du Tchad. C'est un centre attaché au ministère du Travail. Ils étaient, leur bureau était vers la SECNA là-bas à l'époque. Il y avait un métis là, Gémi, ouais, qui était directeur de ce centre-là. Bon. Donc c'est dans ce centre que vous pouvez trouver des gars qui ont fait la comptabilité, qui ont fait un peu de gestion. Donc c'est des gens venus de ce centre-là qui avaient passé le test. Alors pour un peu... notre débat plutôt tire un peu vers sa fin, surtout en ce qui concerne le feu LOL Mamadou. Alors après cet hommage que la nation lui a rendu, quel a été votre le sentiment qui vous a habité? On va faire un tour de table pour boucler avec LOL Mamadou. Quand j'ai entendu qu'une cérémonie allait être organisée à la place de la nation, je me suis dit, ah tiens, ça c'est bien. Ça, le président a bien réfléchi. Parce que nous sommes dans un pays où apparemment les traditions sont perdues. Alors, on ne considère personne, on ne respecte personne, on fait comme si l'État n'existe pas. Mais là, le président a bien réfléchi en organisant ce hommage-là à quelqu'un qui a accepté d'assumer les responsabilités de l'État tchadien au moment où dire que l'État était l'État néant, c'est même un euphémisme, en 79 là. Oui. C'était dur. Vous sortez, vous ne savez pas si vous allez revenir à la maison. Si ce que je dis ne plaît pas à certaines personnes, c'est leur problème. Mais c'était la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Comment voulez-vous qu'on tire sur un président qu'on a choisi soi-même? Vous voyez? Malgré tout ça, l'OL a accepté de continuer. Une fois, on était en conseil des ministres au ministère des Affaires étrangères. Je crois qu'il y a eu un problème entre Hissène Habré et Hachette Kylian et que nous venions d'écouter. Hissène est parti, il a bouclé le bâtiment du ministère des Affaires étrangères avec un armada. Ah, je me souviens, c'est Georges Diguemaye, qui était en ce moment ministre du Trésor, disait, monsieur le président, vous ne pouvez pas tenir un conseil des ministres dans une telle ambiance, il faut lever la séance. C'est comme ça qu'on a suspendu. On ne sait pas, c'était dur. Mais le président, je reviens sur ce que j'ai dit, il a bien réfléchi. En rendant cet hommage-là à LOL, le président Idriss Déby, hein? Le président Idriss Déby. En rendant cet hommage-là à LOL, il le méritait. Docteur Mansel Yacoub, en tant qu'historien, qu'est-ce que... Je voudrais dire deux mots. La deuxième partie de la vie
De l'OL. De l'OL, parce qu'on a parlé de l'aspect où il était président de l'AB. Mais depuis 1990, il y a eu une autre vie politique. Il a fondé un parti politique qui était vraiment à l'époque, c'est l'un des deux ou trois premiers partis politiques créés après l'arrivée de la démocratie du partisme. Donc c'est une nouvelle carrière qui se pose. Il a été maire de la ville de N'Djamena pendant deux ou trois ans. Et à la suite de la conférence nationale souveraine dans laquelle il a joué un rôle important, il a été le président du Parlement provisoire, le Conseil supérieur de la transition. La transition. Oui. Et puis par la suite, quand il est député jusqu'à sa mort, vraiment il a été président de la commission de politique générale. Il a vraiment joué un rôle. Président du groupe de RDP, etc. Il a joué un rôle extrêmement important. Après avoir été président de la République, il est revenu à la reconquête du pouvoir en tant que chef de parti politique, parti avec une vision, avec à la fin une alliance avec le parti au pouvoir. Voilà, avec le parti au pouvoir. Mais maintenant, quel est le sentiment qui vous habite après que la nation lui ait rendu cet hommage mérité, puisque notre émission Carte sur table tire à sa fin? Oui, c'est un homme de consensus au début comme à la fin. Je crois qu'il a mieux réussi sa vie politique dans la deuxième partie, parce que le contexte de l'époque, de la première partie, il était en avance sur son époque. Le contexte de la guerre civile ne s'y est pas. Il n'arrive pas à se retrouver. Mais là, dans le contexte démocratique, après l'avènement de la démocratie et la conférence nationale, vraiment, c'est l'un des rares hommes politiques à qui on peut rendre un hommage particulier. Et comme l'a dit le général Guara tout à l'heure, le président de la République a bien fait de lui faire rendre un hommage national avec un deuil de quelques jours, etc. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui peut être cité en exemple pour les jeunes par rapport à ceux qui ont une ambition pour faire de la politique dans vraiment, ce pays-là. C'est un exemple d'homme de paix, d'homme de consensus à qui il faut rendre hommage. Kibassim Bagrim Martin, vous avez été des proches collaborateurs de M. Lol Mamadchoua, vous avez été un de ses directeurs. Aujourd'hui que la nation lui a rendu cet hommage, qu'est-ce qui vous a habité comme sentiment lorsque vous avez vu cela? Bon, moi je trouve que cela n'est que normal. Nous avons élevé la voix ici pour dire que Lol est un homme de consensus. Oui. Je continue de dire que c'est un homme de conciliation. Vous voyez, Lol était dans l'opposition, pure et dure à un moment donné. Oui. Je crois que c'est justement sa manière de faire, de quelqu'un qui a une longue vision, qui l'a ramené proche du président Déby. Ça fait presque une dizaine d'années que le RDP est devenu un parti allié. Oui. Dans ce contexte-là, moi j'ai dit, le président Déby ne pouvait que lui rendre cet hommage-là. Donc j'ai plutôt bien pris ça. Mais la mort de Lol, quand on a appris, c'est ma femme, plutôt qui a réagi. Elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas aller à la place mortière? Là, je lui ai dit, il y a plein de monde. Quelle va être la pertinence de ma présence là-bas? On ne te connaît pas. Alors j'ai dit, ce que je veux faire, c'est d'envoyer des condoléances au président de la République. Et je l'ai fait. Entendu. J'ai envoyé des condoléances qui sont passées parmi les premiers textes lus à la radio. Ouais. D'accord. Voilà. Ok, docteur Arnaud Digamadji. Voilà, comme l'ont dit mes prédécesseurs, ce sont des obsèques, en fait des hommages qui sont dans l'ordre normal des choses. Vous voyez, les chefs d'État qui ne sont plus en exercice, lorsqu'ils décèdent, ils ont droit à ces hommages-là parce qu'ils ont rendu service à la nation. Tombalba, il a été renversé, il a chuté, mais la nation tchadienne lui a rendu service.
pardon, hommage plutôt en 1994, après la conférence nationale souveraine. Oui. Le président Malouma a eu droit aussi à des obsèques officielles en 2009. Donc c'est tout à fait normal que... Toujours sous le règne du président Idriss Déby. Voilà, sous le règne du président Idriss Déby, il a vraiment rendu hommage à ses prédécesseurs, à ces trois prédécesseurs que je viens de citer. Mm-hmm. D'abord Tombalbaï, ensuite Malum Félix, et enfin le président Lol Mamadou Choua. Donc c'est dans l'ordre normal des choses. Et surtout, je voulais souligner pour finir que le président Lol, sa vie est divisée en deux. Vous voyez, il est mort à 80 ans. Oui. Mais il est devenu chef de l'État à l'âge de 40 ans. Mmh. Et depuis 1979 jusqu'à sa mort, il a passé la moitié de sa vie au service du Tchad. Oui. Et donc c'est tout à fait mérité, n'est-ce pas, que la nation tout entière lui rende hommage. Et on se souvient non seulement à travers les témoignages des personnalités ici, mais quand on écoute la radio, on voit le volume, si je puis dire, des messages qui sont diffusés voilà, à longueur de journée et qui viennent de toutes parts, de tous les quatre coins du Tchad. C'est pour dire l'envergure de l'homme, la dimension nationale de l'homme. Voilà. Il est chez lui au sud, il est chez lui au nord, il est chez lui au centre. Tout le monde vraiment l'admirait. Donc voilà, c'est une grande perte pour le Tchad, c'est vrai, mais c'est le chemin de tout le monde. Et voilà. Voilà, donc disons paix à son âme, et c'est sur ces propos du docteur Arnaud Dingamadji que prend fin donc carte sur table consacrée à Lol Mamadou Choua, qui a dirigé le pays pendant 4 mois et quelques jours. Chers invités, je voudrais donc au nom de la Télé Tchad vous remercier d'avoir accepté répondre à l'invitation de son émission carte sur table.